Isa en maternelle présente Quand Cornebidouille était petite de Magali Boniol. Il était une fois une très belle princesse qui s'appelait Cornebidouille. Oui, une princesse, comme on voit dans les contes, jolie, intelligente et tout. Et ses parents, le roi et la reine, l'adoraient. Ils lui faisaient des mimibidouilles, des calinobidouilles, des chatouillobidouilles. Ils lui bidouillaient des mots d'amour. Ma colombe adorée, mon sucre d'orge, mon trésor des îles. Oh oui, quel merveilleux enfant! Les oiseaux se posaient sur ses épaules. Les écureuils mangeaient dans sa main. Les lapins lui demandaient toujours un petit câlin. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais... C'était comptée sans cracra bidouille. Cette vieille et très méchante femme était la tata de Cornebidouille. Elle détestait tout le monde et tout le monde la détestait. En plus, c'était une sorcière redoutable qui rêvait de transmettre ses pouvoirs maléfiques à quelqu'un de la famille. Cet adorable Cornebidouille tombait à point. Ricana-t-elle en écrivant quelques mots sur un papier. « Ange tu es, ma petite chérie, sorcière tu deviendras, comme moi !» Et elle envoya son sinistre volatile porter une lettre à Cornebidouille. Quand l'oiseau frappa à la fenêtre, la jeune princesse se précipita. « Oh, bonjour! C'est gentil de m'apporter du courrier !»« Voyons, » fit-elle en dépliant joyeusement le petit papier. « Qui m'écrit de si bon matin ?»« Ma chérie adorée, j'entends beaucoup parler de toi au château et je ne t'ai toujours pas rencontrée. » Aussi, trésor de mes vieux jours, je t'invite à venir manger chez moi afin que nous fassions mieux connaissance. À très bientôt, ta bonne tante Cracra. Papa, maman, s'enchanta Cornebidouille en courant vers ses parents. C'est ma tante Cracra, elle m'invite à manger. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, répondit le roi quelque peu inquiet. Oh, s'il vous plaît, insista Cornebidouille, c'est ma tante tout de même. C'est qu'elle est un peu spéciale, ajouta la reine quelque peu affolée. S'il vous plaît, supplia-t-elle. Et pas vraiment commode. Et même franchement, pas du tout, renchérirent d'un même cœur les parents. Mais elle insista tant et tant, « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît !» qu'elle fit dire « oui » à ses parents. « Et surtout, insistèrent le roi et la reine, ne la contrarie pas, sois absolument gentille, car elle est très susceptible. » Mais déjà, Cornebidouille sautillait comme un pinson dans les escaliers du donjon. Elle arriva enfin devant une étrange porte sombre. « Tante Cracra, c'est moi, Cornebidouille !»« Tire la chaudrinette et la soupinette, ma chérie !» répondit suavement la sorcière dans sa cuisine. La porte s'ouvrit dans un lugubre gémissement. « Mon trésor, mon amour !»
épousa fielleusement sa tante. « Comme je suis heureuse que tu sois là. J'avais tellement hâte de te rencontrer. Mais assieds-toi, mon bébé. Je t'ai préparé une bonne petite soupe à ma façon. » « Oh mince !» pensa Cornemidouille. « Et moi qui n'aime pas la soupe ?» Mais elle se souvint des recommandations de ses parents et n'en fit rien paraître. Quand Cracrabidouille ouvrit la soupière, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce et toutes les mouches et les araignées tombèrent d'un seul coup sur la table. « Tata Cracra !» soupira Cornebidouille, dégoûté. « Je n'ai vraiment pas très faim !»« Taratata !» répondit fermement la sorcière. « On ne refuse pas la bonne soupe de sa Cracra chérie. Attends, je vais t'aider. 3 cuillerées, juste pour goûter. 1 cuillerée pour... »« Maman ?» répondit timidement Cornebidouille. Fit-elle en avalant. « Très bien, ma bichette adorée. 1 deuxième pour... »« Papa !» soupira la princesse, dont l'estomac se soulevait de tracas. « Et la 3e ?»« Pour toi, tata Cracra ?» balbutia Cornebidouille, toute chamboulée. « Parfait !» jubila sournoisement Cracrabidouille. La tête de la petite princesse retomba lourdement sur la table. Cornebidouille s'était évanoui. Aussitôt, la terrible sorcière s'écria. « Au secours ! À l'aide ! La princesse est malade !» Et le lugubre écho de sa voix se répandit comme une traînée de poudre dans tous les couloirs du château. Mais dès qu'elle entendit les premiers pas dans les escaliers, Cracrabidouille se transforma en une énorme chauve-souris et s'envola par la fenêtre en ricanant méchamment. Le roi et la reine se précipitèrent dans le donjon de la maudite mégère. « Ma rose parfumée !» susurra son père. « Mon sucre d'orge !» supplia sa mère. « Oh, s'il te plaît, notre amour, réveille-toi !» Mais Cornebidouille ne bougeait plus. Ils firent porter la princesse toute pâle dans leur chambre et veillèrent sur elle, jour et nuit. On fit venir les plus grands médecins du pays, incapables de se prononcer sur le mal qui la rongeait. La peste, peut-être ? Une indigestion ? La coronabidouille ? On remarqua aussi qu'un vilain poil lui avait poussé sur le menton. On le coupa, mais celui-ci repoussa aussitôt, plus ferme et plus dru. Elle dormit ainsi 3 jours et 3 nuits, et au matin du 4e jour, elle ouvrit enfin les yeux et s'écria « Nom d'un prout de chameau ! Ça pue les toilettes dans ce château ! » !»« Oh, ma chérie !» se précipita sa mère. Te voilà enfin réveillée. Laisse-moi passer, face de cabinet, tempêta Cornebidouille. Amour de ma vie, se réjouit son père. Te voilà enfin guérie. Dégage de là, face de cancrelat, rugit encore la princesse. Le roi et la reine se regardèrent, consternés. Un mauvais réveil, sans doute. Elle doit être encore cracrabidouillée du cervelet, ça va sûrement s'arrêter.
Corne pistrougnette, tête de ver de terre, prout de dromadaire, face de camembert. Mais déjà, Cornebidouille se ruait dans les couloirs du château, claquant les portes et insultant toutes celles et tous ceux qu'elle rencontrait. La délicieuse princesse s'était transformée en une horrible petite sorcière. Et plus le temps s'écoulait, plus ça empirait. Tout le monde la fuyait. Ses parents désespéraient. Les princes se décharmaient. Le royaume s'attristait. Les années passèrent encore. Victime du maléfice de sa tante Cracra, Cornebidouille n'avait plus qu'une seule passion, préparer des soupes épouvantables qui lui donnaient des pouvoirs magiques. Elle s'enfermait dans sa chambre et faisait cuire dans son chaudron tout ce qui lui tombait sous la main. Un peu de morve de crapaud et du pipi de mulot, 3 poils de souris, 1 slip de pipi au lit. Ainsi, elle pouvait devenir toute petite, comme une souris, et se cacher dans la cuvette des toilettes. Coucou ! Ou devenir très grande et monter jusqu'à la fenêtre de la chambre de ses parents. Coucou ! Mais un jour, qu'elle était en pleine tambouille, un sombre corbeau qui tenait un journal dans son bec le déposa sur sa fenêtre. « Ah, voyons les nouvelles du monde !» se réjouit Cornebidouille. Et là, ce qu'elle lut lui fit dresser les cheveux sur la tête. « Inquiétude dans le monde entier. De plus en plus d'enfants refusent de manger leur soupe. Comment ? » Cornebidouille faillit s'étrangler. Corne pistrougnette, allez scélérats, allez petits morveux, osez ne pas manger sa soupe. C'est une honte, un scandale. Mais ils vont voir à qui ils ont affaire, ces tronches de facochères. Croyez-moi, mes mignons, vous allez l'avaler, votre bouillon. Aussitôt, elle empoigna son chaudron, enfourcha son balai et partit comme une furie à travers le monde. Et c'est à partir de ce jour que Cornebidouille devint la terreur de tous les enfants qui ne voulaient pas manger leur soupe. Dès que les parents prononçaient son nom, tous avalaient leur potage d'un coup. Certains même, complètement affolés, avalaient leur cuillère. Enfin, tous. Pas tout à fait. Car il y avait, quelque part dans une maison, un petit garçon qui, même en entendant le nom de Cornebidouille, ne voulait toujours pas manger son potage. Mais enfin, Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça, c'est ce qu'on va voir, tête d'entonnoir. Mon histoire est terminée.